Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vais vous retrouver avec Macrintor sur EU4. Salut tout le monde, allez, on enlève la pause, on va faire du claim au Palatinat. Réseau d'espionnage, on va augmenter les relations avec Trève, parce que pour l'instant, comme m'a remarqué Sirikai, Trève préfère voter pour l'Islande que pour moi. Et voilà, comme par hasard, ils vont assiéger chez moi. Brême, Lundbourg. Mais attendez, j'ai ma flotte qui arrive. L'autre, il me sort avec 6 navires. Il est fou, quoi. Ah non, 34 navires. Ouais, mais il a 13 navires lourds, j'en ai 31. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait, quoi. Ah, j'ai compris ce qu'il fait, il me casse le cul. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mes flottes, mer du Nord, cache-toi quand ça pue. Et la Manche, cache-toi quand ça pue. Aïe, ma flotte, elle a pris cher. Ah oui, je me tapais la flotte de Hambourg, la flotte de Brême, plus la flotte de Loubec en même temps. On les laisse faire leur guerre. Hein. Ouais, là, moi, de mon côté, pour essayer de je sais pas, pour moi, c'est... On se prépare, on pacifie, on se calme. Oh, ça se passe très bien, c'est juste j'attends un petit peu pour faire un peu de pognon. Portugal. Non ! L'Angleterre, quand tu vois que t'as marqué Angleterre, indépendance garantie par l'UNDAS. Quoi ? Oui. L'UNDAS, c'est pas un des pays d'Afrique là-bas Si, c'est le gros Congo. Mais cette humiliation suprême. Oh putain la honte. Non mais là, à partir de là, voilà quoi, mais là, je vous dis, l'UNDAS qui garantit la Grande-Bretagne quoi. L'autre, je vais aller le défoncer le l'UNDAS, je vais lui rouler dessus, je pense, quoi que quelle technologie il est, Stockard. Niveau 14, ouais, je vais lui rouler dessus. Là-bas, on laisse faire leur guerre à la con. Des séparatistes gaéliques. Mais... Non. Putain, je regagne 1491 hommes. Il me faut 71 000 hommes pour renforcer mon armée. Bah, amusez-vous sur mes vassaux. Et comme par hasard, chez qui ils viennent chez moi, quoi. Sûr. Ah bah non, on va entendre si j'ai une assaut. Ça, c'est une bonne chose. Il m'a secourable. Qu'est-ce qu'il m'apporte, l'Espagne? 5000 de réserve militaire. Bien, et 75 de relations avec eux. Ah bah les 5000, j'annonce, ils vont pas faire long feu. Oh les pauvres. 5000, fin du mois, combien il me reste? Il m'en reste, le nouveau mois va passer, 0. Voilà, 5000 de renfort qui viennent de partir d'un coup. D'accord. On les a pas vus les renforts, putain. Moi je vais annexer la Dalmatie. La petite tache bleue qui coupe mon pays en deux là. Ça fait crade. Prestige annuel, je suis au taquet. Sachant qu'en plus, j'ai utilisé le truc, tu sais, la relation avec toi qui augmente, tu sais, qui augmente ma régénération de troupes. Bon, par contre, je suis repassé en positif, ça c'est une bonne chose. Merci. Kazan a obéi à... bravo. Très converti, colonne convertie. Allez. Voilà. Saint-Empire romain germanique, ouais. Joli bohémien, encore une fois. Ah, il n'y a plus que 6 électeurs.
N'importe quoi prendre. Ouais, yo. Oh, putain, c'est mort ça. Paris, université à Paris. Bon, on va prendre. Pour gagner des points de pouvoir, de puissance administrative, tout ça, tout ça. L'université est là. Bon, ça va, en plus, c'est pas excessif. Allez, 38 000 hommes, j'ai une armée qui est bientôt reconstituée, là. Ce qui est chiant, c'est que ouais, ce serait bien, c'est un truc pour dire donne des troupes en priorité ici. Genre, mes troupes en Angleterre, la troupe, elle est pas complète, comment dire, on s'en bat un tout petit peu les couilles, mais il me l'a reconstituée. Ok, Nassau est sorti. Séparatiste Wurtembourgeoise. Où ça? À Strasbourg. C'est un endroit où j'ai pas d'armée. Et on va mettre une armée à Strasbourg. Attends, je viens de me taper un litre de flotte en 2-2, quoi. C'est surprenant, il fait une chaleur ici. Ouais, bah en fait, ça qu'il faut, c'est. Faut bien boire, faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Et régulièrement. Même tout le temps, faut boire 1,5 litre d'eau par jour, normalement. Et c'est vrai que l'été, j'arrive facilement à boire mon 1,5 litre d'eau, parce que, ben voilà, quoi. Par contre, l'hiver, comme j'ai du mal et je me tape des courbatures, des douleurs aux jambes, c'est infâme. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il fait bien chaud. Là, entre le coronavirus et l'été, je pense que le problème de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui branle le sous-sol où il y a 40 000 hommes à Stockholm là. Pff, qu'on ne dise pas que je vais y aller, quoi. Ouais, si, ça, c'est bon, ça sort les pays. Oh, les éboulards, c'est bon. Le bohémien qui fait le boulot. On est en guerre avec le. Il y a le Palatinat. Ouais, mais j'ai pas envie d'envoyer de troupes pour faire des sièges. Non. Je laisse, j'ai Mayence qui s'en occupe. Pour une fois que Mayence n'est pas la victime. Ah, voilà. Bataille navale terminée. Et l'autre, vas-y, cet enculé, il me coûte 3 navires de plus. C'est vrai que je fous que je puisse pas filer ma vassalité de la S à toi. Je fous la S en vassal. Hommes. Il me fait chier. Qui ça doit. Ah, je t'appelle dans ma guerre. Bon bah j'arrive, fils de chien. Ah, t'as vu ce que c'est la guerre, honnêtement, y'a rien. Ouais, bon. Confusant. Disons que je suis en guerre, ouais, je suis en guerre. Enfin, le colis en Ivelde suffisamment développé. Ok, c'est une bonne nouvelle. Ivelde, Yaku. Gricas. On envoie un colon. Hop, hop. On colonise. Putain, il arrive à perdre le tocard sa guerre. C'est quoi ce truc-là qui est arrivé? Le Shirvan qui est à Strasbourg. Shirvan, qu'est-ce que faisait le Shirvan à Strasbourg? Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, parce que bon, c'est ton vassal, je l'entends, soit, mais qu'est-ce qui branle le mec à Strasbourg? J'en sais rien, j'ai arrêté de réfléchir, tu sais, avec lui. Hein. Ah, j'ai converti Cologne à foi catholique. Là, je suis en train de convertir toute Trèves. Ah oui, Trèves est catholique quand même. Toutes ces provinces, il n'a aucune province catholique, mais il est catholique. Voilà, en train de convertir tout rêve redevient. Toute rêve redevient catholique, c'est une bonne chose, c'est un électeur quand même après tout. Ouais. Tout con, t'as embouché. Faudrait que tu penses à un truc où tu pourrais te mettre un bon petit fort, c'est ou la vallée d'Esch ou la vallée dans le Tyrol, la vallée de. C'est quoi, Valédine, qui est entre Bragance et, tu sais, aux zones de sommet intraçables. Tu te mets une province, un fort là-dedans, qui est en montagne,
Les mecs, ils pleurent, quoi. Tu t'en mets une là, et... Ah non, en fait, non, le mieux, c'est en dessous, c'est au Valdech, et une à Frioul. Et là, les mecs, tu bloques ton pays, avec deux points, tu bloques ton pays. Et t'as l'autre qui est là-bas, c'est où ça? À Com. Au niveau flotte, t'as une flotte qui tient la route, toi, ou pas, ou t'as une flotte de clodo? Ouais, c'est une flotte un peu de clodo, hein. Mais bon, ouais. Il y a 50 navires, mais bon. Allez, on va faire tomber le Palatinat, parce que ça me saoule d'avoir ça ici. Mes dépenses, vous m'assiégez tout ça. Ouais, j'ai une armée qui est reconstituée. Une deuxième qui grossit. Ah, c'est bon, tant que si j'ai Brême. On s'occupe pas de Latina. Bonne nouvelle. Mais qui fait le chat à bouffer le câble? Ah non, c'est pas fait autour du cou. Cassis Belli, ouais, Strasbourg qui a popé, ouais, 12 000 hommes, ça va. Ok, d'or, construit l'université, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. En 1645, ouais, c'est bon, j'ai 4 ans pour rembourser. L'autre il a quoi? Moins 200, elle me kiffe vraiment pas très vain, putain. Ouais, expansion agressive, moins 284. Comment dire? Voilà, oui. Bon, c'est qu'un détail. Territoire illégal, moins 15. Nous a déclaré la guerre, moins 16. Nous a imposé la vassalisation, moins 94. Nous avons été en guerre, moins 12. A commandé d'action clandestine, moins 25. Ok. C'est le chiffre. Et par contre, avec lui, je récupère 2, 8, 4, 2. Enfin, 2, 8, 2, 8, 5, 6. 8, 4. 8, 4. 15, 4. 15, 4, 16, 8. Je gagne 16,8. Ah oui, ah, une évolution totale d'opinion. 16,8 par an. Ça va. Ça va remonter. Mais putain, il m'aime pas trop, là. Pourquoi donc? Question. Je ne sais pas. Je vois pas pourquoi. Parce que, et quand même, tu regardes Mayence, moi, 72, Cologne, plus 200. Ils sont quand même assez contents de moi, les mecs, quoi. Je vois pas pourquoi ils se plaignent, l'autre. Je vais taper une croix. Ah, il a sorti qui? Aix-la-Chapelle. Ah, j'avais Aix-la-Chapelle, putain, j'ai même pas percuté. En canal de Saint-Georges, mais putain! Bon, ma pépette! Il y a mon chat qui est grimpé sur moi. Rendez-vous. Tu vas sur le clavier, je te défonce le chat. Parce que ça, les chaises, ils aiment bien les souris clavier. Attends, le Brandebourg a filé une province à Lübeck. Pourquoi tu demandes à un de tes ennemis de refiler une province à un de tes ennemis? C'est débile. Parce qu'il s'est fait sortir de la guerre en guerre séparée. Ouais. En général, tu demandes pas à un de tes ennemis de refouler une province avec un mec qui était en guerre. Le fait chier, tu lui fais lui arracher un pays à un autre. Si c'est une paix séparée. Ouais, mais. C'est Lübeck qui a sorti Brandenbourg, donc il demande à Brandenbourg quelque chose. Ah oui. Et après, l'autre, il. Voilà, c'est pas la Suède. La Suède, c'est pas toi. Toi, tu le fais, je sais. Ah, moi aussi, je le fais. Nanana, viens là le chat, tu vas pas derrière les câbles. Dis donc petit chaton, j'ai un petit chaton là, un truc qui a 3 semaines, enfin 3 mois maintenant. Ah là le petit, la bestiole, tu vas pas derrière le PC, tu vas me faire des conneries. Donc, Koblenz convertit à la foi catholique. Agitation locale, non, sont pas les couilles. Non, ça on peut pas convertir. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, si vous entendez plus de son, plus d'image, plus rien, c'est qu'elle a bouffé quelque chose derrière le l'UC. Putain de chat. Voilà, bon, mes armées se reconstruisent. T'imagines la guerre, elle a fini tout à l'heure. Ah bah voilà, elle a fait le tour.
J'ai toujours pas fini de... Comment ça s'appelle? Toujours pas reconstitué mes armées. Je te parle pas du manpower. Je parle juste des armées, quoi. Ah! Trèfle commence à avoir des actions offensives. Toi, t'actives dans cette guerre ou tu te branles les couilles? Bon, je suis en train de taper sur la bohème. Ouais, je nous passe en vitesse 3. Ouais, vas-y. Le poney, ça Voilà. sort pas avec ces guerres de prétendants, hein. Le Portugal a quitté la coalition. Les Ah, bien. relations, on va sortir ça. Ouais. J'ai pas envie de mobiliser mes troupes pour cette guerre. Oh bien, Pépette. Elle a sauté. 36 900. Ok, notre armée qui est prête. Les apothèques, non, les cannes pêche. Ah ben voilà. Non, je peux pas y déclarer la guerre. Mais je suis con, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben non, je suis pas con en fait. Mon prêt, je vais le rembourser. Voilà, et je défonce petit à petit la flotte de l'autre connard là-haut. Ah, le siège de Heidelberg, bonne nouvelle. Allez. J'ai fait un siège, je me casse. Voilà. La coalition contre moi est en train de péter. On a sorti. Le Pasna. Voilà. Voilà, la coalition est en train de péter contre moi. Nouvelle technologie, diplomatique, capacité de gouvernance plus 250. Putain, j'en suis où de ma capacité de gouvernance là? Peut-être falloir que je me développe un peu. Où la voit-on déjà, la capacité de gouvernance? C'est où déjà? Merde. C'est dans ton menu stabilité expansion, juste en dessous de la stabilité. Ah d'accord, ok, je vais voir ça. Ah oui, 1103 sur 1006, d'accord, je peux un tout petit peu me développer, quoi. Là, ma flotte, elle en... Ah ben non, c'est pas ma flotte qui a défoncé, c'est ma flotte qui s'est fait défoncer. Ok, la gouvernance. Donc, nous disions, ce qu'il me faut, c'est surtout les trucs commerciaux, tout ce qui est commerciaux. Donc, Londres, est-ce que Londres en est un? Londres en est un. Ok. York, le Yorkshire, c'en est un aussi maintenant. Cork, l'Océanershire, ouais. Ok, est-ce que ici, non, c'est pas moi ça, Anvers. Bruges. Même la Grande-Bretagne s'est retirée de la coalition, c'est beau ça. Bordeaux, ouais. Après, c'est mes provinces. Ok. Ok. Je peux pas sortir la bohème là, je veux dire la bohème elle est usée jusqu'à la corde. M'étonne. Ah voilà mes armées, il y en a deux qui sont complètes. Tiens les connes. En général dessus quand il a fini que en général quand il a fini Mais il va attendre qu'elle soit en faible avant de pouvoir avant de demander quoi que ce soit. Et du coup bah si elle se reprend. Si elle se reprend, moi j'irai pas. Hein. Il va se démerder, il va assumer sa oh connerie. non il se démerde, ouais, il se démerde, il gère son truc, nous on s'occupe de voilà il a sorti. Ah ça Non. pue ça, la République des Nations qui est sortie. Ça c'est quoi? Elle a sorti, j'en reviens pas. Elle a quitté. Putain. C'est-à-dire qu'elle est usée. Ça c'est quoi? Eh ben au Oh revoir. putain. C'est vrai que limite, je vais peut-être faire pareil. Hein. Non, quoique je vais rester. Quoique. J'ai pas de diplomate à envoyer. Ah, après, je suis en train de défoncer leur flotte, mais on va faire une paix blanche. Voilà, et démerde-toi, le Suédois. Ouais, voilà. On y allait pour dire qu'on y allait. Ok, donc comme j'ai fini, je vais pouvoir faire quoi? Cette honte. Non! Regarde l'Angleterre par qui la, son épance garantie. Le Mali. Hey,
Le Mali, Mansa, Mamadou, Traoré. Tu peux même pas imaginer comme je... Ah putain, c'est pas moi ça aussi là-bas, fait chier. Mamadou Traoré, putain, mais on a voulu faire cliché exprès, on n'y serait pas arrivé. Mais... Bon, allez, on convertit pour à peine. Je sais pas sur qui je vais mettre la gueule. Sur la gueule. Non, je vais remettre sur la gueule de l'anglais. Ça me fait chier parce que si je vais aller taper les blacks, je vais devoir ramener des armées. J'ai pas envie d'emmener d'armées là-bas, quoi. Ça me saoule. Ouais, cocu, ils vont me prendre là-bas, j'ai pas de province, je vais m'occuper de l'Angleterre, je vais défoncer l'Angleterre, je vais me gaver chez anglais diplomatie. Ils vont juste piquer toutes mes colonies. J'ai pas de manpower, non, je vais plutôt prendre mon Mexique, là, et je vais dire déclare la guerre aux canne-pêche là-bas. Dépendance, Mexique français, fais-moi une petite guerre là-bas, le canne-pêche conquête, voilà, hop, allez bien. La Nouvelle-Flandre, est-ce que tu pourrais déclarer la guerre à quelqu'un, toi, te branler les couilles? Non, il veut pas. France et Nouvelle-Flandre. Et les Antilles. Déclenche une guerre à qui? Caraïbes, conquête. Ah, oh, bah oui, bon, on va faire ça. Déclare une petite guerre contre les Caraïbes. La Perse alliée avec le Royaume de Dieu, ça c'est beau. Et vous tapez sur le kebab? Et non, okay. Mission menée bien, laquelle? Base en Amérique du Nord. Bien, très bien. Douane plus 1%. Ouais, j'ai perdu 1000 hommes, j'ai un héritier qui tient la route, un 103. Ok. Je vais attendre. J'ai deux armées à remplir. Là, ce que j'ai hâte, c'est, tu sais, quand j'ai passé en mode... En mode... Allez, on va prendre le commerce mondial. Tu veux le prendre enfin? Ouais. C'est quand même moi qui l'ai découvert, mais je suis à la bourre, quoi. Fonder la compagnie des Indes orientales. Bon, on prend. Ah, c'est vrai que je pourrais les mettre sur la gueule du traître pour récupérer les territoires de... Bon, la Bohème viendrait, ça me fait chier, ça. Tu veux mettre sur la gueule de la Bohème? Non, écoute, s'il te plaît, j'ai pas ça à faire, je me prépare pour taper le kebab. Ah, ouais. Tu m'excuseras, mais j'ai des priorités un peu plus différentes. Ah, c'est pas de... En fait, faut que je me trouve des guerres, entre guillemets, faciles, là. Taper sur la Bohème, putain, là, qui se prend des rébellions. Le Polak se tape une rébellion monstrueuse. Ouais, il va péter, il va exploser en vol, lui. Ah, surtout que c'est assez séparatiste. Ouch. La Suède qui se fait défoncer par Lübeck, mais comment il fait, putain de merde, comment il fait? Il aurait pu tellement en plus gicler la Bohème. La Bohème était entièrement occupée, il aurait pu dire, hop, je te vire de la guerre, même en paix blanche. Pareil pour d'autres pays, il aurait tellement pu gagner, où l'IA est tellement conne. Il va perdre, hein. Enfin, celui-là prendra. Bah, sachant que tu regardes, on a sorti Aix-la-Chapelle, c'est moi qui l'ai sorti. On a sorti le Palatinat, c'est moi qui l'ai sorti. Toi, t'en as sorti un ou deux. C'est nos troupes et nos vassaux qui ont sorti. Les autres, ils ont rien. En fait, parce qu'ils vont un coup prendre un territoire, un coup prendre un autre, un coup un autre, un coup un autre, et ainsi de suite. Là-bas, ils disent quoi, canne-pêche, ils y arrivent. Les Caraïbes, est-ce qu'ils défoncent Cassius Belli, ouais. Ah, je peux pas perdre contre les Portugais, quoi. Là, normalement, ils vont gober ces enculés de tos. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépiauter l'Ottoman et le forcer à appeler son traité comme un... J'avais pas vu que les Antilles ont commencé à coloniser le Venezuela. Non, c'est le Venezuela, ça, là-bas? Ouais. Non. Si, si, c'est Venezuela. On peut les mettre tranquille, vas-y, à la cool, hein. Ouais, bah, allez-y, les gars, amusez-vous. Hein. Par contre, cette Amérique du Sud espagnole, ouf. La Suède, mais qu'est-ce au car. Bah, théoriquement, après la Suède, quand tu vas là-bas, les mecs, ils se bouffent de l'attrition. Mais c'est vrai que la Bohème a pas été sortie. C'est quand même désolant. Ah oui, là, il y a 19 700 hommes sur 40 000. Ok, il m'en reste encore... Ah non, c'est une armée à 20 000, celle-là. Un marché, des provinces... Alsace. Ah bon, peut-être l'Alsace, hein, peut-être un tout petit peu... Hop.
Hop, nouvelle technologie militaire, nouveau canon, ça c'est bien. Canon sur pivot. Ok, et on va développer pareil notre économie. Allons. Lui transfert les Caraïbes. Le Maroc qui veut accepter une alliance parce qu'il est tellement dans la merde. S'il te plaît, je fais une alliance. Non. Maroc n'a pas tout compris. Voilà, Dalmatie est intégrée. Ça fait un pays de moins à faire tâche sur la carte. Surtout à couper mon empire en deux. Quelle est ma flotte qui se bat, que j'ai dit, qui a perdu? Mer du Nord, Caraïbes, Côte d'Ivoire. Ah, j'ai perdu ma flotte de commerce à Bordeaux. Non, moi, ce que je fais, mes flottes, je leur donne un nom du nœud commercial. Simple, ça aide. Ouais, parce que si on pour ça rousser, des fois. Production, une flotte de commerce, on va la mettre à Bordeaux. Ensuite, le commerce, nous disions donc. Ah bah c'est bon, maintenant t'avais à peu près 6 qui partaient de la mer du Nord à Lübeck et 2 qui allaient dans la Manche. Maintenant c'est inversé. C'est inversé, je les bouffe bien. Par contre, il va falloir que je développe mes nœuds commerciaux Bruges. Hop, un marché en Calais. Est-ce qu'il y a un marché? Non, on fait un marché. Cotentin. Ouais, ils sont occupés. Londres. Bah, Londres, par exemple, ça pourrait être bien de faire un marché. Non, il n'y a plus de thunes, pour ça qu'on ne peut pas faire le marché. Ok. Non, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal bien. Ensuite, dans les réformes, les États, ils veulent quoi? L'éclair. Vers fiscal, achat relais de 7. Bon, ah! Réserve militaire. Il fait une forteresse en étoile. Où ça? Au comté. Oh bah c'est très bien ça. Comté Venessa. Combien ça coûte ce connerie? 198? Putain. Le pape. La papauté. Prestige annuel. Non, pas pour l'instant. Ah, légitimité peut-être. Non, la réputation diplomatique. Et le conseil de 30, il s'est rien passé avec ça? Tu peux pas cliquer dessus? Non. Est-ce que c'est moi qui peux... Sinon... Voilà. Conseil de 30, ouais, je sais pas ce que c'est le conseil de 30, je sais pas ce qu'on peut faire. Ah, moins 142 avec Trêve. Et il... Enfin, moins 142 de relation. Par contre, en désir de liberté, il a 32%. La Suède se prépare à attaquer la Russie. C'est quoi que t'as pas compris, la Suède, là? Non, tu te fais péter le cul, en plus. Regarde ton état. Non, quoique, c'est la Russie. Ah, d'accord. Oui, n'oublie pas. On a le réflexe Russie normal, mais faut pas oublier que c'est la Russie. Là, c'est les pas, ouais. Exactement. La Bohème. Ok. Mes armées, elles sont full. Là, c'est quand même casser les couilles. Je pourrais les mettre sur la gueule de l'Angleterre, en fait. J'aurais 80 000 hommes chez le portugais. Novembre 46, on peut. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Je vais mettre sur la gueule du diplomatie. Ah non, j'attends qu'ils aient fini leur guerre là-bas avec les Caraïbes et l'autre. Étudiant, les Caraïbes, ça donne quoi? Ça donne que. Ouais, chant la guerre à la con. Canpech, l'autre, il a fini quasiment sa guerre avec Canpech. Je sais pas pourquoi il fait pas la paix. Tu sais, il contrôle 100% de son territoire. C'est quand tu veux. Et l'autre,
dans les... Je sais pas ce qu'ils font. Il a 13 000 hommes. Je sais pas où est l'armée du... des Antilles. Les Antilles, il a combien d'hommes, théoriquement? Il a plus d'armée. D'accord. Il s'est fait défoncer par les Tos chez lui. Donc, je pense que c'est parti pour une paix blanche, cette connerie avec lui. Il y a le tung-tung de fin d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là, les gens. Voilà. On vous dit bye bye et on espère que ça vous plaît toujours. Donc toujours, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis. Sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir les gens.